Ah putain. Allez hop. Plus. Hop. Là, sur ça. Hop. Allez. On va descendre Marcel. Allez, pas, plus vite, les mains, plus vite. Plus vite, Darbin. Ah, juste, allez, vitesse de main. Ok. Non. Ah, c'est dur. Ah, ouais, cyclo. Et elle, pour le mur, c'est ça. Tu fais Mathieu? J'en suis les fans. Ouais. Allez. Bataille. Oh les bras, non. Prochaine fois, c'est le plateau du milieu là. Qu'est-ce que tu fous là toi? Redescends là-bas. T'as dit droite, j'ai mis à droite et droite, hein. T'es dit de retomber sur la rotonde. C'est ce que c'est le rotonde. Oula. On va voir. Tu nous refais le coup de tout à l'heure? Ouais, Mathieu. Très proche. Excusez-moi, tout à l'heure, je prenais à droite, il y a un petit paillet, et puis on repartait. Ah oui, c'est un tacticien. Ah, saloperie de godasse de merde. Bonjour. Tu déranges? Non. Surtout, au contraire, jusque là, c'est bien ça. Là. Vous avez plutôt un effet motivant. Non, oui. Ça te motive? C'est pareil. On est à combien, nous, alors, en chiffre, là? 140. Allez, ça carême. On prend 950. T'es bien placé, concentré, hein. Allez, on rigole plus maintenant. 1, 2, bon. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, 5 grammes, ouais, une, allez. Encore, 2, allez, ça monte, encore, allez, 3, pousse, fume, ouais, allez. L'arbitre, d'en bas, l'arbitre le monte, ouais, d'en bas, viens là-bas, saute dedans, hein. Lui, il a fait le rebond, hein. Quoi, toi, d'en bas, monte-moi, tu veux le citer, soyez doux, il arrive. Ah, ici là, comme ça j'ai. Soyez doux, ils l'ont fait. Alors, on sort. Alors. Hey. Ouais. On est record là. Comment? C'était record là. Jamais fait. Alors là, fois à 130, t'as fait. J'en ai fait deux et la troisième, j'ai pas réussi. On s'en compte très bien. Pense à un truc qui t'énerve bien, une bonne tête d'enfoiré. Pense à Sharon, si tu veux, pense à qui tu veux. Pense à un truc qui va te faire péter là. Un truc qui va te mettre la haine. C'est parti. Quand tu veux. 1, 2, 3. Un. Allez, enchaîne. Encore, enchaîne. Ah ouais. Tiens. C'est bon, validé. Je pense que là, il faut envisager les 135. Voilà. Mozo, étire-toi. Hugo, étire-moi. Allez, les gars. Hop, hop, voilà. Il est presque. T'as mal au dos? Ça va, ça me tasse pas le dos. Stop. Hey. C'est parti, un petit poulet, faut que le café. Ça va être rapide l'échauffement là. Allez, on rentre tout de suite. Ah oui.
Même blessé de fond. Oui, il me l'avait pas. On a 2 minutes pour être à la phase finale du championnat du monde. Championnat du monde, c'est un championnat à part. En face de vous, vous aurez des morts de faim. Les mecs attendent ça toute l'année. Pour que ça, pour rien à faire. Pour pas de concurrence dans leur pays, ils s'en foutent. Le championnat du monde, ils en font 10. Vous, vous en faites peut-être 4 heures. Pour plus, ça. Avec David, prends des comptes, mon rêve. Ah putain! Bouge! Bouge! S'il bouge pas, tu lui casses la gueule! Hein. Oh! Allez, 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 prends le sentiment là! Mais pas là pour prendre des copains! Allez! Allez, faut décider, maintenant! Bordure, bordure, arrête, allez! Ils sont aimables, ils sont polis, ils sont vraiment gentils. Ils sont pas méchants. Mais c'est vrai, hein? Ouais, ah oui. Mais oui, hein. Si vous en avez plus, on ira vous en chercher. Ouais, faire de l'air. Quand t'es enclenché, t'as vu comment t'es enclenché? Quand t'es enclenché comme ça. Bon, là, t'es naze, c'est clair, c'est dur. C'est un jet d'eau qu'il faudrait ici. Là, c'était vachement et puis tous les autres, les autres, les arrosés. C'est comme ils sont en attente, tu vois. Ils attendent de t'arracher. Faut que tu les fasses partir. Hésitez. Tac, tac, tac. Puis à un moment, tu sais où tu pars. D'accord ? Les blessés, tout le monde en place pour le salut. Allez, c'est fini les deux. Pour les gros, demain à 6h, vous restez au lit, y'a rien. Hey ! Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte à la presse, hein ? S'il y a des demandes, interviews, etc., vous devez essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu la préparation physique pour
pour Munich en fait, la préparation. Là. Robin, quel nom vous avez rencontré ? Stéphane Trénaud. Et je vais prendre. Qui t'as besoin de rencontrer ? Je vais rencontrer mon frisson. Frédéric, ouais. Ouais, Frédéric. Darby. Bah, la Jamel, c'est sûr. Hein. Ah, c'est chiant ce micro. Voilà. Ah, mais oui, moi aussi. Vraiment, ça m'énerve. Moi aussi, ça m'énerve. Bosser avec ça. C'est con, j'ai pas. Vas-y, mets-le. Je vais le mettre, on va dire. À ce moment-là, tu peux pas carrément le coincer là ? Toi, tu le laisses quoi. Tu veux juste quoi, dans le king là. Ouais, ouais. Là, comme ça. On regarde, je sais pas, ton son il est comment là. Tu l'as pas Tu fais cadrer plus serré. Là, ça ira, mais faut qu'on soit. Voilà, ça c'est bon là. Moi, je rentre dedans. Moi, je cadre à celle-ci. Ça va être vachement pratique. C'est un plan karaoké en fait, c'est pas du tout. Voilà, parce que si je cadre un peu plus large, je vais risquer les passes quoi. Mais moi, je vois, c'est chaud. Ouais, je fonce, c'est terrible. Allez, vas-y. Dans le front est dégueulasse. Mais je peux le tenir dans le. Voilà. Et bon, comment tu cadres? Enfin, moi. Ouais, je vais cadrer serré, hein, y a pas de soucis. Ouais, c'est bien. Hein, ouais. Il en faut quelques-uns. Il y a vos collègues professionnels qui s'éclatent de rire. Tu m'étonnes. Le professionnel du son, il se régale. Il n'a jamais vu ça. Moi non plus. Allez. Ça tourne. C'est parti, tu commences hein. Non, vas-y. Ok. Bon, un stage comme celui-ci, ça a l'air, en tout cas vu de l'extérieur, ça a l'air extrêmement intense et extrêmement dur. C'est la réalité. Ouais, allez, c'est parti, tout de suite, genou, poitrine, ça monte. Hop, équilibre. Travaille bien, descend. Là, sors un peu le genou. Voilà, on reste. Un, deux. Bon, prends un peu plus, tu vas être trop court sinon. Top. Allez, 1, 2, 3, 4, top. 1, 2, 3, 4, 5, top. 1, 2, 3, 4, 5, top. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, tu vas descendre un peu, schématique. Tu te mets sur l'arrière, doucement. Va sur l'arrière. Encore. Putain, je suis là. Allez, la dernière. Allez, descends. Non. 3, 4, 5, pas de nom d'oiseau. 6, 7, c'est ça. 8, et c'est ça. Putain, pas de nom d'oiseau. Non, c'est bien ça. S'il vous plaît. Merci. Oh, bon, père, s'il te plaît. Il n'y a pas d'autres stars. Ah, bah, j'en sais rien. Il y a du bloc. Ah. Il est où le bloc-notes ? Le truc avec les femmes. Il y a un ça y est, le stylo, il est cramé. Ah, ton stylo, il t'a trop vu. Il est décédé. Il est pauvre. Et mon stylo, il est décédé. Ailleurs, ouais, tiens. Ailleurs, c'est pour mon copain. Ouais, moi aussi, s'il vous plaît. Pour ma sœur. Contact. Non, il était touché un peu là.
Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Demain matin, on fera une séance plus, justement, plus précise, individuelle, avec des séances, des situations techniques et tactiques, avec la bordure du tapis, avec travail dans les jambes, avec prise de kumikata, toutes ces choses-là. Ouais. On ne sait pas les mouvements du combat. Pas ça, il est trop bien tout de suite. Alors, il est toujours prêt. Il est toujours prêt à faire la randonnée. Bon, allez. Ici là. Comment ça? Comment ça? Protéger, c'est pas si tu prends un shoot, tu prends un shoot, mais au moins ça va amortir. Beaucoup de glace, allumé toute la nuit. Trois jours de suite. Derrière pour reprendre tes marques, force-toi, allez. C'est bien pour toi. C'est bien pour toi. T'as du mal à te mettre vite dans le bain, à vite prendre la saisie. Force-toi, saisie, déplacement, c'est toi qui mène le truc. En une minute, j'avoue que c'est difficile. Justement, force-toi à ça. Hein? Et après tu feras un ou deux 5 minutes pour reprendre tes marques. Aïe! 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 Putain de merde. Hein? Je suis pas là. Ouais, il est sur le tapis. Tu peux acheter aussi, ce sont des petites granules d'arnica. Qui sont en relance aussi ? Ouais, c'est l'homéopathie. Ça va favoriser l'écoulement un petit peu, l'allumine, et tu fais beaucoup de glace. Et demain, tu te protèges. Quoi ? Ouais ! Il y a une vidéo qui s'est blessé ? David, c'est qui ? C'est Bibi, il a l'épaule. Ah ouais ? Un jeu ? Ouais, je pense que... Ah. Ouais, ouais, t'es malade ou quoi toi? Bah oui, vas-y. Vas-y, Muscor, va lui prendre s'il te plaît.
juste devant. T'as su prendre quand il y avait la bouteille d'eau dedans. Tu m'as sifflé toute ma bouteille d'eau, tout l'entraînement. Mais elle est comme ça, là, toi, t'es malade ou quoi? Tu m'as sifflé la bouteille d'eau toute la séance. Ah mais attends, c'est pas trop. En hauteur, mets-les comme ça. Mets-les comme ça. Si, ça rentre, il faut pousser, regarde. Attends. Ouais, c'est celui-là, c'est lequel qui va faire. Pousser là, au maximum, là, comme ça. Ah, je l'ai pas. Ah, comme ça, là. Ah, comme ça. Ah, vas-y, alors, mange plus, c'est toi. C'est lequel qui va prendre. Bon, les gars. La prochaine, profitez-en. Posez-vous bien. Ben fait des styles. La grande famille. Eh, n'oublie pas. Je suis sérieux maintenant, Ben. On trouve ma petite fille. Tu vois? Toi, tu me connais, moi. Ça sent les vacances. Zahir avec mon petit Zahir, il est là, mon petit Zahir de mon faucon. Voilà. Alors Ben Boudaoud. Il est là, le Ben Boudaoud. Ça va, Yass? Ça va? Très bien. On est tous passés là. Vous êtes des bons, les gars. Also, Beate. Also, bitte. Voleva partire subito in Milanare. Allez, demain, c'est en photo avec le petit là. Tu vas te venir comme ça. Ah, ça sera pas mal avec le Yano qui arrive. Bonjour, bonjour. Putain, mais ouais, c'est un adjudo dans le grand monde. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui, c'était pas peur, t'es capable. Parle. 11 ans? C'est pas lui qui a sauté une classe, hein, je t'en rassure. Attends. Et t'as combien d'années de judo? 7 ans. À 4 ans, j'ai. Moi j'ai commencé le judo à ton âge, à 11 ans. T'imagines l'avance que toi mon vieux? Ouais mais à 11 ans tu mesurais combien quoi? Il y a des catégories de toi, il y a des nains qui font du judo, il y a toi, tout le monde est... C'est ouvert. Ah, Derek, c'est Sébastien aussi. Ah c'est normal hein. Ok. Difficile. C'est pas difficile, hein. C'est facile. Parce que la veille tu calcules. Il y en a qui perdent plus ou moins de poids pendant la nuit. Moi, en fin de régime, je ne perds pas grand-chose, par exemple. Donc là, demain, après ma séance, on verra combien je vais descendre. Je vais descendre à 65 et quelques, 66, je ne sais pas, on verra. Et je monterai maximum 66-400. 66-400. Que j'ai faim ou soif encore, il ne faut pas que je monte plus. Parce que c'est 400 grammes, c'est ce que je vais éliminer pendant la nuit. Voilà. Ouais, parce qu'en fin de régime, ouais, j'élimine 400. 300, 400. Et là, quand tu vas en temps normal, je peux éliminer plus. Après la pesée, tu te marraves, tu récupères combien? Après la pesée, je ne reprends pas beaucoup. Moi, je dois reprendre 1,5 kg, 2 kg. Même pas, c'est la flotte déjà. Après la pesée, déjà, quand tu te réhydrates, tu reprends déjà un peu de poids. Mais il y a des anecdotes, il y a des mecs terribles qui étaient au jeu. Il s'est pesé au jeu. Le lundi matin, il s'est pesé à 73 kg, il a fait sa compétition. Il a perdu. Il a perdu en plus. Il s'est mangé sur la bouffe le lendemain matin. Le mardi matin. Le lendemain, il faisait 83. Il avait pris 10 kilos. Oh. Voilà. 83. 10 kilos. 10 kilos. Je te le dis, Charles. Je te dis. À l'époque, le prêtre, il prenait 5 kilos dans la journée. Parce que le matin, il se pesait à 71. Le matin, il se pesait à 71. À 7h du matin, il était pesé à 71. À 7h du soir, il faisait 77. Ça va? T'attends de finir avec lui là?
c'est bientôt fini. Ah, 5 minutes. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait de pas au lieu de venir là d'abord. Jamais, mon frère. Faut que je finisse mes soins. Hein, tu sais qu'il t'avait dit. J'étais présent quand il te l'a dit. Jean, il t'a dit. Jamel, tu viens. Tu viens en premier. Jamel, tu viens en premier. Parce qu'après, j'ai les autres derrière et tout. Mais toi, tu passes en premier. Non. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Papy. Ça, après, t'arrives ici, tu me dis. Ça, c'est ça qu'il faisait, papa. Après, tu vas sur la terre, je l'ai eu. Après, il arrive ici, il me dit à moi, il me dit vas-y, gicle, mets-toi par terre. Il est malade, ce mec. Je crois que c'est la fête. Il est dingue. Vas-y, tranche plate. Oui. De ma piole, j'étais sur le balcon et je voyais tata et de tcha. Ah, passe de lui. Et hop, et hop, et hop, comme ça, de table en table, hein, tu penses. Le pire, c'est qu'il est, je suis arrivé tout, je fais tiens, mais Jean, fais. Non, non, fait. C'est pas vrai, ça ne me pas. Puis ça, je fais. C'est pas vrai. Tiens, mais Jean, il t'attend. Ah, demande. Les affaires reprennent la vie. Non, Jamel, t'es comme toi, va te chercher. Tiens, vite, vite, ton téléphone. Je peux pas bouger, c'est collé. Non, on peut pas bouger. Vas-y, dis très bien qu'il y a le truc répondeur là, vas-y. Clac, clac. Appuie. Mais non, regarde, écoute. Bah. Ouais. Allô. Allô. Mais non, elle ouvre maintenant. C'est Wari. Allô. 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 Allô, Wari. Putain, merde. Eh, monsieur l'armée. Tu vois, le proto, les frères, ils appellent et... Et t'as laissé un message. Les mollets. Ouais, mollets. Ah, il y a que ces mollets. Qu'est-ce qu'il y a à moi, là? Tiens, descends, mec. C'est jamais. Ciao. À demain. Bon. Si tu vois Sarah. Si tu vois Sarah qui cherche quelque comme, chose. Comme tout à l'heure, t'as dit à Jamel de monter, tu dis à Sarah de se dépêcher. Ça va, vas-y, s'il te plaît, dépêche-toi. Bonjour, 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 Dorothée. Allez, zoup. Top. Sportive, qu'est-ce que sont les choses les plus importantes pour l'entraînement ici, juste avant le championnat. Nous voulions venir ici, ouais. Ce qui était très important pour nous, c'était de regrouper l'équipe, oui. Pour permettre une meilleure concentration, mm-hmm. Pour éviter que les athlètes fassent un peu chacun de leur côté, qu'ils fassent un peu, bon, on parle pas n'importe quoi parce qu'ils sont grands, ils sont grands, c'est tous des champions, mais
c'est pour regrouper. Et puis surtout, pour même si le judo c'est un sport individuel, mais c'était très important cet esprit collectif de faire des choses ensemble. Oui. Et de voilà. Vous me donnez votre nom, s'il vous plaît. Trenot, T-R-A-I-N-E. Oui. A-I. Oui. Stéphane. Stéphane. Avec du U, non? Stéphane, P-H. Oui, oui, non, avec l'accent. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 30, bon, 34 ans. Ouais. 35 au mois de septembre. Dernière question, vous avez peut-être une petite liste avec tous les noms des. Ouais. Non, mais, non, pas ici. Non. Ah bon. Mais je peux la écrire, si tu peux l'écrire. Ouais, c'est ça possible. Les deux noms, hein. Les athlètes pour le championnat du monde. Oui. D'accord. Elle est rentrée là ? Oh, c'est pas lourd ! Elle est tombée derrière. Laisse les bras tout de suite. C'est trop dur. Tu connais là ? Ah, mais c'est l'allemand, j'ai pas très loin de sang. Et lui ? Plasco. Je connais pas. Ah non, je tords. Moi, je connais pas. Là par contre, il n'y a pas beaucoup de. Là, là, hein? Un allemand. Là. Lui là. Hongrois. Et des portugais. Hongrois, suisse, américain, portugais, allemand, espagnol, portugais. Lui là, c'est quoi? Hongrois. Oh, quel équipe là. Il a arrêté d'aller sur S. Morec, Sac, Pedro. Delgado. Pedro. Spitka, Suarez. Pérez. Voilà, l'équipe d'Allemagne. Ils sont graves. Il y a quand même trop. Voilà, hein. Encore une journée passée. Hein. Bon, j'ai mis ça là. C'est rien. Par contre. Ah. Bonjour. Merci. Rien que je veux. Tu suis Barbara Hatcher. Hey. Cola. Dayot Baguette. Dayot Baguette. Cola. Ça ne voit pas, mais cola. Ça ne voit pas, mais Dayot. Toi, t'es champion du monde, jamais les champions olympiques, mais vous, vous avez réussi dans le sport et tout, et eux, ils semblent qu'ils sont pas là. Et c'est pour moi, et c'est très dur à dire, mais c'est comme ça. C'est parce qu'on fait du haut niveau, et c'est de la sélection naturelle, ça s'appelle ça. C'est de la sélection naturelle, ça s'appelle. Alors, c'est affreux de dire ça, mais c'est ça le haut niveau. C'est ça le haut niveau, c'est pas autre chose. Toi, tu craques pas. Toi, avec la mentalité que t'as pas, tu serais pas sorti à 23 ans, bah t'aurais continué à 24. Et tu n'étais pas sorti à 24, bah t'aurais continué à 25. Et t'aurais continué jusqu'à 30 ans. Avec la mentalité que tu as. J'en suis certain. Et puis toi, c'est pareil. Alors je vais t'expliquer un truc. Laisse-moi finir sur un truc. Laisse-moi finir sur un truc. Écoute-moi, je me suis défendu. Attends, je me suis défendu plus que les autres ou pas? Tu t'es super défoncé. Plus que les autres ou pas? Je comprends pas. Je te pose une question. Non, tu sais très bien. Au niveau de l'entraînement, qui c'est qui restait une demi-heure plus que les autres à chaque fois? Donc ça veut dire plus que les autres. Je suis en train de te dire, tu t'es défoncé. Plus que les autres. Oui, d'accord, si tu veux. Donc plus que les autres, ok. Quand t'es champion, ça veut dire que t'as fait plus que les autres, normalement. Quand tu t'entraînes énormément, tous les mecs ils ont toujours en plus, on fait des entraînements toujours en plus quand t'es champion. Tu trouves ça normal quand tu touches 7000 francs par mois? Non mais ça, non. Tu trouves ça normal quand tu touches 4 fois moins que les entraîneurs? Jamel. Tu trouves ça normal quand tu touches moins? Je suis en train de te dire que je n'étais pas en train de dire qu'on gagne assez d'argent. Ouais. J'ai pas du tout parlé de ça. J'ai dit que tout le monde ne peut pas être champion du monde. Oui, mais si tu prends conscience, tout le monde, si tu prends conscience que moi j'ai pris conscience pas que j'étais, tout le monde n'a pas les moyens, que je pouvais pas. C'est la différence qu'on a. Si je prends conscience, si j'en ai 23 ou j'en ai 24. Ouais. Si je prends conscience que j'en ai pas les moyens, eh ben moi, ciao. Je vais pas m'amuser à faire le pigeon pendant le temps. Il y en a quand même qui se montent, quand même. Bah bien sûr, il y en a qui se montent. Qui font style. Mais bien sûr, il y en a qui s'en rendent compte parce que gagner les 4000 francs, comme tu dis, eh ben ils s'en contentent très très bien. Eh ben, et c'est des nigos. Eh ben bien sûr que c'est des nigos. Et peut-être que si j'étais à 3000 francs, peut-être si j'avais eu 3000 francs par mois, avec ma même mentalité, je pense que j'aurais continué. Si j'avais eu une autre mentalité, peut-être que j'aurais dû arrêter. C'est possible. C'est possible, hein. On vient pas du même milieu, quand même. Nous, nos pères et nos mères, ils avaient 6000 francs par mois, on était 6. Tu vois, mais on n'est pas amené. On n'est pas amené. Mais ça part de là, bien sûr. C'est non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Nous, au contraire, nous, quand on réussit, il faut qu'on assure pour la famille, tous ces trucs-là. On n'est pas le même, mais sur la même étoile, comme il dit. Donc c'est pour ça qu'on voit la chose autrement.
C'est sûr que si mon père il fait 20 ou 25 000 francs par mois, c'est différent déjà. Tu vois, je peux continuer à me faire plaisir à 30 000 francs. On peut se faire plaisir, le mec il nous envoie de temps en temps, quand on était jeune à Châtelet ou tout ça, que là, on avait que dalle. Hein. Moi, ce que je te dis, c'est que on entend souvent les mecs qui disent qu'ils gagnent pas d'argent. Après, si on est prof de judo, même si c'est pas. Si ça change du tout au tout, on peut devenir prof de judo et gagner nos vies, alors qu'un lutteur, tiens, un lutteur, il est prof de lutte, il gagne sa bite et son couteau. Non, mais attends. On est le troisième sport en France. Si on était de la lutte, ma gueule, je la fermerais ma grande gueule. Si on était. Mais on est le troisième sport en... dans le monde entier. Au JO d'Atlanta, on était le deuxième sport avec le plus de participants et de nations. Donc ça veut dire qu'on est quand même blindé. On n'est pas à la lutte où ils sont 2000 ou 1000 à en faire. Tu vois ? Nous on est des millions. Donc ça veut dire qu'il y a bien de l'argent qui rentre là-dedans. Tu vois ? La répartition n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas bien. Alors que médiatiquement, on a fait un boulot énorme en plus. À partir du moment où on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas toutes les. Et en plus, il se fait massacrer. J'ai du mal à parler de ça. C'est incroyable. Mais toi, tu exprimes une fierté à ne pas bien. Moi, je n'ai rien à foutre, moi. Mais je ne me prends pas la tête avec ça. Toi, tu aimes dire ça pour les efforts. Non, mais tu aimes l'idée. Mais en plus, après, tu aimes l'idée. Et en plus, les gens ne m'y aiment pas. Tu aimes aussi aller un peu les tiens bon, 2 minutes là, 2 minutes. Michel ? Ouais. 2 ans là. Bats-toi là, 250, bats-toi. 2-30. Ok. 33 minutes, bats-toi. 2-40. Hey, tout le monde est. Mais non, c'est où ? Il a dit il est tombé dans les pommes, je vais tout. Mais non, je fais exprès, vous êtes tout mou. Putain, vous avez décollé, j'avais 3 minutes. Regardez que je suis fait comme un gars. Présenter la commission tout d'abord. L'arbi, il sait qu'il est champion du monde, il est champion olympique, c'est celui qui est attendu, mais en même temps il vient pas défendre ton type, il vient pas, je dirais, sur la défense, il vient en attaquant, il vient pour gagner un nouveau titre. Je crois que ça là dans l'état d'esprit, c'était une belle démarche. Et je tenais à le dire pour un petit peu repréciser les choses. C'est vrai qu'aussi Daniel Fernandez et Ghislain Lemaire, qui eux sont pas des tout jeunes, mais qui sont revenus au tout premier plan cette année, ont certainement montré un très haut potentiel sur les championnats d'Europe. On attend d'eux une médaille mondiale. Après la couleur, ça reste à décider, mais on attend d'eux une belle médaille mondiale. Il est où le maire alors? Namik Soutanov. Biélorusse, Anatoly Mamedov. Spain, Carlos Montero. France, Ben Boudaoud Larbi. Il est dans le troisième coréen. Celui coréen. Il est parti. Ben Boudaoud, quart de finale. Qu'est-ce que j'ai quart de finale, putain. En haut du tableau B. Troisième quart, donc en haut du tableau B. Bon premier tirage. Tour, Magoulov, Kazakhstan. Ensuite, il prend le Dominicain. Le haut du tableau, c'est pas très fort. Tout à fait, oui, c'est sûr. Et le bas du tableau, il y a Inoue. Nastula qui est encore là. C'est tout, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que ça chique. Qu'est-ce que tu dis ? Il est avec le Fidjien en premier tour. Tangriev, il prend le vainqueur de Tangriev, l'Ouzbek et de Hernandez, le Brésilien. Et ensuite, toujours dans le même quart de tableau, il a Pan, Bredotti, Mikhaïl et Jérôme. T'as reçu là ? Et dans le deuxième quart de tableau.
Ah, il n'y a plus personne. Il y a l'Iranien dans l'autre quart et c'est tout. Le tirage d'assassin. C'est comme type de cause. L'arbitre, il a Matsiev, il en a deux. Je crois qu'il a mérité ça. Et Dani, imagine. Dani, ça va. Dani, il est derrière. Il est de côté. De côté. Ouais. Gis. Gis, il prend un background. Costaud. Qui c'est qui veut? Algérien. Ah ouais. Faut faire attention au gaucher, mais ouais, sacré. Bref. Ouais. Jurac et. Ensuite, Jurac et l'Espagnol Alvarez là, non, je sais pas. C'est quel tour que je fais en fait? Toi t'es en haut du demi-tableau. Donc s'ils font une catégorie par tapis, ça va, t'as le temps. Hein. Par contre, s'ils font des demi-catégories, on le saura tout à l'heure. Ils commencent pas à 9h15, ils commencent à 9h, ils commencent à 9h15, 9h20. Qu'est-ce qui ramène l'ordre des combats? L'ordre des combats, on les aura demain matin à la pesée. Chaque athlète aura un jeu de tableau avec les ordres des combats. Blue Kaycock. White Shido. White Chewy. White Kaycock. Osai Komi time. White. Okay. Nastarenko.
Turkmenistan, again Bravo, CID. Next fight on 2/5/20, Ouais, je sais. Cool, cool. Eric, pour Steph, pour Fred, combien? Combien? Ok, ok, reçu, merci. C'est un combat, là. En plus, c'est vrai. Et si tu peux lui gueuler la manche-toi, attention, il n'aime pas ça. Il fait ça. Il est jappe quand il doute. Et la route, il m'a pas cette année hein, sur Kovacs. Hein. Tu connais donc, il est comme tout le monde, il tourne. Hein. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un élément de la condition physique qui est très important. En deux minutes, il ne faut pas qu'il te touche, il faut qu'il s'use un peu. Pour l'instant, il a rencontré des mecs qui n'avaient pas la caisse. Padar, il a fait deux minutes blanc, il a mal. Voilà, c'est exactement ça. Toi, tu vas lui faire 5 minutes et tu vas lui mettre le doute. Tu vas lui mettre le doute. Men, men score. 5-21, men under 90 kilograms. Nickel, c'est celui-là. T'as bien t'as ta ceinture. Non, je prends la glace. La glace. Ouais. Bon, c'est une première. Allez.